Putain, je viens de me faire défoncer la rondelle par un type là qui est entré dans ma chambre. Je m'ai même pas dit bonjour, je sais même pas qui c'est. Enfoiré de saloperie, il m'a défoncé la rondelle. Merde. Ah, mais c'est quoi ça, putain? Non, mais dans quelle époque on vit? J'étais tranquille dans ma chambre, le mec qui rentre dans ma chambre, il m'encule comme ça, il me dit même pas ni bonjour ni au revoir. Et puis il s'en va comme ça sur les chaînes d'adresse. Non, mais c'est genre pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais bien que vous rigolez. Bah, je vais faire un petit tour au McDonald's, hein. La vie continue. Mais ne me parlez plus de cette histoire. Un cheeseburger et un coca. Putain, mais c'est quoi ce McDo de merde? Il est où, lui? Mais c'est quoi ce dimanche après-midi pourri? Vous vous êtes tous mis d'accord pour me mettre la rage? Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais faire un billard. Non! Mais où est-ce qu'ils sont passés, les mecs? Y'a plus personne. Waouh! Y'a plus personne! Y'a eu un virus ou quoi? Peut-être que c'est super dangereux de respirer l'oxygène. Et peut-être qu'ils sont tous morts. Ça y est, je commence à me sentir mal. Je vais avoir une crise d'angoisse. J'ai du mal à respirer. Respire. Respire.